Salut tout le monde, c'est Argon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft, sur Erysium, où tout simplement on va pouvoir faire un nouveau host, à nouveau. Bon, j'ai voulu tenter LGUHU Meetup, j'arrive pas à voir comment on le fait, donc je pense c'est LGUHC, mais en le modifiant. Mais du coup, je vais essayer plus UHC Meetup, qui se ressemble un peu en plus. Et je verrai pour après mettre des UHC, LGUHC Meetup dès que j'y arriverai à bien les faire, dès que j'aurai une bonne config. Avant tout, on va d'abord les loot box. En fait, en vrai, j'étais même pas au courant avant, mais The Bird, il m'a montré que comment utiliser slash gift et qu'il y avait des codes pour obtenir des cadeaux. J'en ai récupéré la masse, et du coup, j'en suis à 26 000 coins, c'est pour ça que je peux host là. Et j'ai aussi gagné des loot box. Donc les loot box qui sont ici, on va pouvoir les ouvrir, hop, cliquer pour ouvrir, hop, accepter. C'est un peu long quand même, mais hop, on aura des scénarios en plus. Et ça nous donne Orlès commun. Ok. Parfait. On fait un peu. Oh, ce coffre est en cours d'utilisation. Et comment... Ah ok. Oui, il faut attendre un peu. Mais du coup, voilà, on va les faire un par un. On va pas tous les faire, je pense. Comme ça, bon, au moins ça en gardera à ouvrir pour les autres vidéos. Mais du coup, on va en faire peut-être 5. Comme ça sera pas trop non plus. Ça sera pas trop par vidéo, quoi. Ok, ensuite, nickel. Hop, on prend celui-là. Bon, un coffre à 4, du coup encore 4 étoiles. Ça devrait être un bon truc encore. Et ça nous donne scénario. No Sword Unique. Ok. D'accord. On va passer à la suivante. Si l'autre ne nous grille pas la priorité. Ok. Aïe. Il y a déjà en utilisation. Bon, c'est pas grave. Et qu'est-ce qu'il a eu lui? C'est marqué scénario carotte combo. Ok, bon, je vais voir si je peux en ouvrir un juste après lui. Sinon, je vais partir en jeu. Donc voilà, tac, et c'est parfait. C'est moi avec 2 étoiles et ça me donne du scénario trapède. Oh, pas mal. Ok, bon, on va pouvoir lancer. Donc là, tac, tac, public. Donc UHC Meetup. On fait accepter. Et voilà, du coup on a commandé le serveur, il va se lancer, on va pouvoir se retrouver on va pouvoir se rejoindre dessus avec les autres. Normalement il y en aura un peu plus du Discord. Bon, peut-être qu'il y aura personne en vrai, mais normalement il y aura au moins une personne du Discord. Donc hop, configurer, on le met, hop, voilà comme ça. Ça doit être un scénario en fait, le meetup LG là-dedans. Peut-être que c'est un scénario, je sais pas. Scénario. Et là, on n'a aucun scénario. Ok, parfait. C'est génial. Il n'y a pas de scénario à déverrouiller en plus, j'ai l'impression. Donc, ouais, 30 secondes et tout. On va laisser comme ça. Voilà, on va rien changer. En terre de départ, on change rien non plus. Et on va pouvoir mettre, hop, ouvert. Et voilà. Ah voilà, bah il y a quelqu'un du Discord. C'est l'IAV2. Et du coup, on va pouvoir commencer la partie bientôt. Bon, c'est sur 50, donc faut attendre un peu. J'ai déjà payé gratuitement, du coup, la promotion du premier. On va mettre... Moi, j'ai envie de mettre en 2v2. 2v2. Je sais pas s'ils vont me suivre ou pas, mais j'ai envie de mettre en 2v2. Je vais essayer de mettre quelques annonces un peu espacées. Et je vais vous retrouver dès que ça aura commencé, du coup. Là, espacer comme ça, je vais pas consommer beaucoup trop. Et ça pourrait être plus rentable que le fait comme avant où je les faisais toutes les minutes carrément. Ça serait plus simple là. Et à la limite, ouais, on va laisser en solo. Voilà, il y aura plus de monde en solo. Voilà, il y aura plus de monde en solo. Donc je vous retrouve dès que ça commence la partie. Allez, on va y aller du coup. On y go. Allez hop, et du coup, est-ce qu'il y a slash game en fait pour start slash UHC? Parce que peut-être on l'a en commande. Start.
Voilà. Non, ok. On va lancer ici. C'est parti. Alors, on est combien? On est 17 joueurs. On se marquait à droite. Et c'est parti. Je vais pas, je pense que je vais pas trop réussir à les battre. Ça, c'est quasiment sûr et certain. Ah, merde, la bordure. Voilà, donc ça c'est le stuff de base que ça nous donne. Aïe. Je tombe pile dans la lave, les gars. Attendez. Faut quand même attendre un peu. Dans 20 secondes, on a le PVP. Ok, 20 secondes d'immunité. Est-ce que j'aurai le temps de... Ouais, on a le temps d'aller dans l'eau. Ouais, parce que sinon j'aurais peut-être pas eu le temps de m'éteindre tout seul. J'aurais dû prendre une pomme. Mais coucou. C'est qui toi? Ah, c'est Lia. Coucou. Coucou. Vas-y, meurs. Meurs. Non, non, pas du 2v. Non, on va m'accuser de cheat. Je me casse. Putain, qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu fous? Ah. Ok. J'avais oublié ça. Cette pomme. La pomme magique. Allez, meurs. Ouais. Non, j'ai besoin de prendre la pomme magique. Laisse-moi régène. Laisse-moi régène, s'il te plaît. Merci. Putain. Qu'est-ce qui... Allez. Casse-toi. Va-t'en. Va-t'en. Tu sais très bien que je suis un dieu à l'arc. C'est bien pour ça que j'ai ce pseudo, donc pourquoi tu m'attaques? Pourquoi tu m'attaques? Tu vois très bien que... Ah non. Il voyait très bien que j'arrivais à le démonter facilement. Putain, alors que je lui mettais plein de coups. Il voyait bien que toutes les flèches allaient dans le mille, quasiment. Mais il a pas voulu... Par contre, pourquoi je me suis fait TP ici? C'est un gros mystère, là. C'est... Ok. Allez, meurs. Hop. Et non, je ne veux pas mourir. Je vais mourir, non! Non, 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 laisse-moi régène. Laisse-moi régène. Laisse-moi régène. Oui, laisse-moi régène. J'ai commencé une chanson. Voilà. Mais apparemment, vous n'avez pas voulu me suivre. Peut-être. Peut-être que derrière votre caméra, vous étiez... Enfin, derrière votre écran, vous étiez comme ça. Mais... Putain. Oh, je suis mort. Ok. Je suis mort. Slash save. On va give une underpearl chacun. Voilà. C'est pas illégit ça. Slash give under perle 1. Voilà. Bon, je peux les faire que dès que je suis mort en vrai ces trucs. Sinon je suis en PVP donc je peux pas trop gérer ça. Mais du coup voilà. Là on va pouvoir apprécier le spectacle. Le spectacle magnifique avec Pollux qui est contre Rey Mysterio 94. Pollux c'est pas quelqu'un de connu. Ou alors c'est le pseudo, c'est juste un mec random qui a mis le pseudo d'un mec connu. Je sais pas. J'ai l'impression que c'est un mec connu. Je crois. Je suis quasiment sûr. Et qui va... Putain, ils sont à 3. Là, non, les autres ils sont où? Les autres, ils sont plus loin. Non. Anto, cliquez pour vous téléporter. Ok. Bon, il n'y a pas moyen de se téléporter, je crois. Mais du coup, il y a ce menu, comme d'hab. Anto Victo. Il est dans le coin, il va se faire rect. Et il a plus beaucoup de vie, il me semble. 6. 6 cœurs. Il va se faire démonter dans le coin. Ah non. What? Tapé par un mec invisible. Il y a une personne invisible. Ah non, c'est bon. Ok. Je croyais qu'il y avait une personne invisible, mais non, ok, il n'y a pas de personne invisible. Donc ça va. Et là, il essaie de se barrer, mais non, il est mort. Voilà, achevé. Ah, non, il s'est téléporté. Je crois qu'il s'est téléporté. Ouais. Ah, Game Ops DR est pas mal. Game OPDR est plutôt fort. Ouais, et il est en train d'attaquer son autre victime, qui est Xayard.
Et il va encore la tuer, logiquement. 11 cœurs. Il régène pas, mais voilà, il l'a tué puisqu'il n'y a plus qu'un cœur l'autre. C'est notre champion. C'est notre champion. Zéa, tu gères. Attendez, ça s'écrit comment d'ailleurs? Non, c'est pas ça, c'est le mec qui est mort derrière. Lui, c'est Game Sopé. C'est GG. Ah, quel plaisir. Et moi, je suis à combien? Je sais pas, attendez. Ping, 60 MS. Ça va. Oh, il l'a encore tué. Et franchement, il est fort. Il est plutôt fort. Il est plutôt fort, donc ouais. Moi, je suis toujours avec lui. Et c'est lequel qui se plaît? Ah, c'est lui. Merde, c'est le mec qui est pas encore mort. Oh putain. Oh, c'est triste. Il fait 400 MS là, apparemment. Je sais pas si c'est vrai. En vrai, on dirait pas. Il lag pas tellement que ça, vu comment on le voit PVP. Mais du coup, s'il fait vraiment 400 MS, ça doit être chiant pour lui. Ouais, ça doit être hyper chiant pour lui. Et il va se... Vraiment là, j'hésite à savoir qui va mourir. Ah bon, là, il est mort. C'est la guerre un peu. GG. Bon, du coup, on va se retrouver pour une deuxième partie. Parce qu'en plus, on a le temps pour une deuxième, je crois. Sans là que je t'aurais explosé, clairement. MDR. Ouais, bah ouais. C'est ça, le jeu. Allez, on va démarrer. Donc, c'est parti, go. Hop, et du coup, là, vu que j'ai vraiment beaucoup de coins, bah, j'essaie de les étaler sur les jours de host que j'aime. Et du coup, voilà, j'en utilise à peu près 1000 par jour. Bon, je vais pas les faire à chaque jour non plus, donc je peux en utiliser plus chaque fois que j'en fais. Mais du coup, voilà, en soi, on pourrait faire des hosts plutôt cool. Parce que du coup, j'ai plus cette limite de coins. Je l'ai plus comme avant. Grâce à RPZ The Bird. Enfin, en vrai, il est pas mort, donc c'est pas Rest in Peace. Enfin, non, RPZ. Non, RPZ, ça veut pas dire Rest in Peace. Du coup, là, je me suis fait un petit kiff. J'ai mis ça. Avec des slime blocks. On rebondit. C'est trop drôle. Pardon. Putain. Et en plus, on les casse en 2 secondes. C'est génial. Je suis pas sérieux, j'avoue. Non, je m'en vais. Aïe. Laissez-moi me barrer. Allez. Voilà. Merde. Hop. Coucou. Faut que je fasse gaffe, j'ai tout utilisé pour rien. Il y a un cheval. Hop. On va... Ah, c'est une golden aile, juste. C'est pour ça qu'il y a un petit problème, ok. C'est pas des pommes de notch, en fait. Ok. Vas-y, meurs. Meurs. J'ai pas envie de mourir dès le début. Laissez-moi survivre, s'il vous plaît. Laissez-moi survivre. J'ai pas moyen de give des underpearls. Rapidos. Parce que là, je peux pas me mettre en game mode, mais... Si je give... Non, putain. Le mec qui essaye de voir la commande. Attendez, je vais la garder au cas où. Comme ça, je l'aurai, voilà. Bon, c'est un peu du cheat, mais bon, tout le monde en aurait. Donc, c'est moins du cheat, tout d'un coup. Et à la limite, j'en ai du coup 5. Pour que ce soit moins du cheat. Voilà. D'ailleurs, voilà. Je leur ai donné des underpearls. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec. Merde, Azozox n'a pas pu en profiter. Que c'est triste. Nous allons le suivre dans sa déception. Non, je... Putain, mais ce mec, il est chaud. Il est quand même chaud, mais l'autre tout à l'heure, il était censé laguer, puis il était quand même à 2 doigts de le battre. Donc ça va. Ah, oh, il a pas ramassé les underpearls. Il peut pas les stacker, il a tué trop de mecs avant. Et du coup, il a un stuff plein. Merde, c'est triste pour lui. C'est beaucoup trop triste pour lui. Ok, et d'ailleurs, le truc des underpearls, je vous remercie d'avoir dit que en gros, dès qu'on lance une underpearl, on a un certain pourcentage de chance, je crois que c'est au hasard juste,
C'est au hasard, il y a un silverfish qui peut spawn. C'est pas, je sais pas s'il y a un pourcentage de chance ou pas, mais de spawn, mais du coup, il y a un silverfish qui peut spawn dès qu'on lance une enderpearl. Voilà, c'est tout. C'est pas hyper rare non plus, à ce qu'on a pu voir en tout cas, mais c'est pas non plus à tous les coups. Donc voilà, ça doit être peut-être une sur deux, une sur trois, un truc du genre en proportion. Un truc du genre. Lousy qui va se faire battre, peut-être. Bon. En tout cas, ouais, ça me suffit pour la fin. Et puis c'est juste la fin. 4 joueurs, il reste 3 joueurs maintenant. On est bientôt à la fin, ils sont plus que 3. Loupix, qui est plus qu'à 9 cœurs. Oh, Game Hop est mort. Il est mort, Game Hop. Loupix va se faire tuer par NX ta légende. Ah non, ouais, non, ok. J'ai cru que c'était un retournement de situation, mais non. Pas du tout. C'est le même qui tape Loupix. C'est pas l'inverse. Donc, bon. Rip, tu vas mourir. Voilà. Je suis désolé, mais voilà. Ton sort devait s'achever comme ça. Voilà, tu vas mourir. Et il se fait pas attaquer par l'autre, il doit se cacher, un truc du genre. C'est quoi, c'est Reverse? On est d'accord, Reverse, qui est... Putain, c'est tellement moi, lui. Lui, il est comme moi, lui, c'est pas PVP, ou alors, je sais pas. Mais du coup, avec son enclume en train de se faire ses outils tranquille alors que les autres sont en train de PVP. C'est tellement moi ça. Beaucoup trop. Putain, je me représente là-dedans. Ah, il a quand même régène. Il a bien régène. Bon, il va se faire tuer logiquement. Bon, en tout cas, moi je vais vous retrouver du coup dès que ça sera la fin de la partie sur le hub pour l'outro. Bon, voilà, du coup, c'est la fin de la vidéo. Donc, d'ailleurs, au fait, je viens de penser. Pourquoi pas les loot box, les ouvrir plutôt en fin de vidéo. Du coup, je les ouvrir plus en fin de vidéo. Les loot box, sachant que j'en ai quand même quelques-unes à ouvrir. Bon, allez, vas-y, on s'en ouvre une par exemple là. Rareté 1. Ça nous donne du scénario. Ultra Apple. Je crois que c'est juste un UHC en vrai, mais du coup, je sais pas quel type de scénario. C'est quoi ce scénario? C'est pas marqué. Bon, on sait qu'on a gagné un scénario. C'est le principal. Mais du coup, voilà, du coup, c'est la fin de la vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit like. À vous abonner si c'est pas déjà fait. À partager la vidéo à tous vos amis. Et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Sur ce, c'était Darkbo. Tchuss!